Bonjour. Voilà, je me demande s'il est possible de faire ça avec Geniali. J'ai passé un temps fou à faire ça avec GeoGebra. Alors ici, il y avait un point pour en fait voir éventuellement si on avait juste ou pas. Bon, là pour l'instant, il y a zéro réponse juste. Alors, la vapeur d'eau est compressible. Donc, propriété de l'eau. Ici, vapeur d'eau, en fait, ça concerne les états de l'eau. Hein. Les molécules sont disposées géométriquement. Donc là, ici, ça concerne les molécules. Les molécules sont animées de mouvements très rapides. En même temps, je mets ça là. Est-ce que j'ai juste? Bon, j'ai pas terminé, il y en a plein plein à mettre. Est-ce que j'ai juste deux bonnes réponses? Alors, il n'y en a que deux qui sont bonnes, mais je ne sais pas lesquelles. Si j'appuie sur le point d'interrogation, il m'enlève une mauvaise réponse. Parce que là, en fait, il y en a tellement à mettre que si l'élève, il doit tout recommencer, ça va pas, quoi. Donc, il faut mettre les choses, et puis, si jamais il y a une mauvaise réponse, ça les enlève. Voilà, donc ça, en fait, ce qui m'intéresserait, c'est ce bouton enlever juste les mauvaises réponses. Voilà, je vous remercie. S'il y a possibilité de faire évoluer, Géniali. Au revoir.